sais que la dernière fois, tu m'as vendu de la scrap. Si t'es pas content, tu peux aller ailleurs. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se tanner. Il va arriver quoi? Ça, c'est pas gentil, ça. T'as t'en payé une bonne, hein? Mets-moi ça en état d'arrestation. Reste à la campagne avec les enfants. Puis essaye de les tenir loin de la télé, OK? Je le sais pas, Chantal. Je te rappelle quand j'ai fini, OK? Bye. Bon, je m'habille, donc on rentre en ville. Qui arrive, Tanguy? Y a du monde qui t'en veulent? Hey, quoi, mêle-toi de tes maudites affaires, Fournel. Je sais juste de t'aider, moi. Ah oui, tu veux m'aider? OK. Écris ça dans ton journal. Ils veulent avoir la guerre, ben ils vont l'avoir. Qui ça, il? Inquiète-toi pas, ils vont se reconnaître. T'aimes ça, jouer au cowboy, hein? Tu peux-tu venir me reconduire? Oh non, pourquoi tu viens pas à la maison? On va se fournir une pizza. J'ai faim. Non. Pense à faire mon compte de dépenses, ce soir. Je vais pas rire, tes comptes de dépenses. C'est vrai que je me souviens pas où est-ce que j'ai mis mes factures. As-tu déjà su où tu mets tes factures? Peut-être qu'en mangeant, ça va me revenir. En passant, le verre de bière, c'était pas nécessaire. Si la fille avait dit oui, tu serais parti avec. Si elle avait dit oui. La fille du bar. Paraissais-tu tant que ça?
Jamais de change. 50 cents par jour pour mon amitié indéfectible, c'est pas trop cher. Ouais, mais à la longue, tu sais. Tu as entendu ça? Chaud de Tanga a sauté. Ah, ouais? Étais-tu assis dedans? Bon. Hey, à part de ça, je voulais te dire, ils l'ont pris hier soir, là. Ah, je sais. Christy, avant que je rentre dans les toilettes, il m'a regardé comme s'il avait jamais vu ça, un deal de dos. C'est bien. À un moment donné, il va bouler une job. C'est ça que je te dis. C'est pas moi qui fais l'horaire de travail, hein. 52 ans, puis il a l'air d'un junior. Prochaine fois, laisse-le te voir. Emmène-le pas dedans. Gauthier. Pelletier. Faut que je vous parle. Tanguay s'en vient. Il y a quelque chose pour vous autres. Je vais peut-être m'emprunter mon char. C'est drôle. Il y a une job à vous offrir. Moi, ça pose pas de problème. C'est à vous autres de décider. Gilbert. Salut. Gilbert Tanguay. François Pelletier. Salut. Pierre Gauthier. Salut. Salut. C'est une situation explosive chez vous hier soir. Sautez votre affaire. Tiens, un petit comique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous n'êtes pas tanné de perdre votre temps avec des petits pusheurs de dépanneurs, vous deux? Non. Qu'est-ce qui arrive? Faut-tu te pendre avec des pincettes? Peut-être juste un petit agent de narcotiques. Mais je considère que mon travail est aussi important que le tien. Je suis pas le contraire non plus. C'est pas parce que tu portes une cravate que tu pousses un crayon et que t'as pas mis les pieds sur le terrain depuis 10 ans que ça me donne le droit de m'insulter. As-tu fini, là? Moi. Good. J'ai besoin de 109. J'ai besoin de gars qui ont du caractère. Gauthier Pierre, 42 ans, célibataire, 10 ans à l'escouade des narcotiques, 700 dossiers traités, considéré par ses supérieurs comme un agent astucieux et efficace, amateur de jazz, de plongée, etc. As-tu le solde de mon compte de banque avec ça? 14 538 piastres. Pelletier François, 36 ans, célibataire, agent aux narcotiques depuis 9 ans. Aime le danger. Excellent dans les opérations d'infiltration, amateur de moto, indiscipliné et rebelle à l'autorité. Indiscipliné? Exagère un petit peu, moi, je trouve. Faut juste le connaître. On enquête en ce moment sur la famille Scarfo. Puis on n'avance pas. J'aimerais vous avoir avec moi. Nous autres, on est spécialisés dans les narcotiques, pas dans le crime organisé. Scarfo connaît presque tous mes agents par leur prénom. Ce que je veux, c'est des hommes qui sont capables de me donner quelque chose de neuf. Puis en plus, je pense qu'on a du coulage. Penses-tu que c'est Scarfo qui a fait sauter ton char? Lui ou quelqu'un de sa gang? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Mon intuition. Oh, votre intuition, c'est bon, ça. C'est bon dans un rapport de police. Quand est-ce que vous avez besoin d'une réponse? Je pense que vous avez pas le choix. Je vous donne 24 heures pour me dire oui. Engagez-vous, qui dit. Qui c'est qui va être mon supérieur immédiat? C'est moi. Là, mon adresse à la campagne. Viens me voir en fin de semaine. On va parler de tout ça. Hein? Intéressant. C'est vrai que ça nous changerait des petits pushers de dépanneur.
C'est qui le Québécois le plus proche de Scarfont? Roger Perrault. Peux-tu me sortir son dossier? Ben là, tu vas attendre un peu, là. J'ai l'enquête à finir, moi. Faut que j'aille au Whisky Café. Ah, bon. On m'appellera quand tu seras prêt. Écoute, c'est la troisième fois en deux mois qu'on vient de voir, puis à chaque fois, on remplit le panier à salade. Je sais pas pour commencer à fouiller chaque client qui se présente ici. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée. On fait du mieux qu'on peut. Ça a l'air que c'est passé. Ça se perd vite, un permis d'alcool. C'est un privilège, ça, c'est pas un droit. C'est partout pareil, dans le coin. On va voir à côté. Pas autant d'aube qu'ici. Ce que tu veux pas me dire, c'est que t'as pas le choix. Les motards mettent un gars dans la place, toi, t'as rien à dire. Comme tu dis, j'ai rien à dire. Ce serait de valeur de fermer ça. C'est une belle petite place. Toi, Gauthier, tu ferais quoi à ma place? Moi, au lieu d'ouvrir un bar, je suis rentré dans la police. C'est moins payant, mais c'est moins de trouble. Attention à toi. Je m'excuse si on vous a bousculé hier. Ça vous arrive souvent de vous faire lancer de la bière? Pas vraiment, non. Vous, avez-vous passé la nuit ici? Je travaille à côté, je déjeune ici à tous les matins. Vous faites quoi comme travail? Est-ce que c'est un interrogatoire en règle? Oui. Nom, prénom, profession. Gabrielle Lacroix, designer industriel. Et vous? Pierre Gauthier. Le reste... Pour la profession, en tout cas, c'est assez évident. À vous voir aller hier, vous aviez pas l'air d'un danseur de ballet. On vous l'a déjà dit que vous étiez ravissante. Jamais de manière aussi subtile. Et puis non, je baise jamais avec des inconnus. Mais qui s'est rendu compliqué de complimenter une femme de nos jours? Ça dépend juste de l'intention. Si c'était de vous inviter à souper. Je dirais non. Pourquoi? Vous me connaissez même pas. Il me semble devoir vous dire voir. Les bas classés par couleur, les t-shirts aussi, les chemises rangées dans le garde-robe, les souliers alignés les uns à côté des autres. Typique d'un flic célibataire. Vous dites rien? Un, je suis célibataire. Deux, c'est vrai que mes bas sont rangés par couleur. Ce que je veux savoir, en fait, c'est jusqu'à quel point on a les mains libres. Ta carte blanche. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu fais ce que t'as à faire. Es-tu obligé de suivre le livre des règlements? J'ai des comptes à rendre en haut, moi. Pas de réponse. Il y a une ligne qu'on peut pas franchir. S'il faut que je demande la permission à chaque directeur de service pour le syndicat, à chaque fois que j'ai besoin de quelqu'un ou quelque chose, je vais autant le savoir tout de suite. On est là pour t'aider, pas pour te nuire. Je vais être franc avec toi, Gilbert. Si j'embarque dans une enquête, me faire dire dans trois mois qu'on laisse tomber parce que c'est trop gros, ça m'intéresse pas. Moi, mes limites, c'est mon budget qui me les impose. C'est ça le problème avec la sûreté. T'es jamais capable d'avoir l'heure juste. Ça fait cinq questions que je te pose, j'ai pas une maudite réponse. Tu veux quoi, là, que je te signe un contrat? Je veux savoir si j'ai les mains libres. Sers-toi de ton jugement. Donne-moi le temps de te connaître. L'attentat chez vous, c'est parfait, ça. On va pouvoir frapper partout en ville. Non, 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 monsieur. Oublie ça, on part à zéro. Amène-moi ce carrefour.
C'est tout ce que je te demande. Ça sera peut-être pas propre, mais... ça va se faire. Bon. Salut. Ouais, salut. Tiens. C'est juste bien qu'on voie mon gars. On a besoin de gars comme toi. Paraît que tu lâches la dope pour la mafia. Les nouvelles vont vite. Faut que je te parle. C'est pas pour améliorer ta qualité de vie. Surtout s'ils se mettent à faire sauter vos chars. Qu'est-ce que t'en penses, un bon journaliste comme toi? Faut que t'enguies quelque chose de fort entre les mains, que quelqu'un s'en prenne à lui comme ça. Qui c'est qui a intérêt à faire ça, d'après toi? Je le sais pas. Mais je peux te dire que de l'autre bord, ils sont aussi surpris que toi. J'aimerais ça que tu me parles de Scarfo. C'est un wise guy. Dans le vrai sens du mot. Il se tient où? Son abattoir le jour. Le soir, chez lui. Puis lundi, à partir de 6 heures, au bar de Vastelli, pour sa partie de carte hebdomadaire. Comme ça, t'es au crime organisé. J'espère que tu vas m'aider un peu. T'aider un peu? T'aider encore, tu veux dire. OK. Tu me t'adores, Larry. Forza, Vincent! Forza! Come on, Vai Dino! Dai! Vai Dino! 35! Gabriel! La caisse de vin, là? J'en veux pas. Je veux plus que tu me fasses de cadeaux, c'est clair? Si t'en voulais pas, t'avais juste à m'appeler. T'es pas obligé de faire ton show. Toi pis moi, c'est fini. Laisse-moi respirer. C'est pas compliqué, ça? Tout le monde te regarde, t'as l'air intelligente. Je m'en fous. Qu'est-ce qu'il te faut pour te faire comprendre? C'est drôle, avant, t'es aimé bien mes cadeaux. Décroche, Vincent! Ça fait un an qu'on s'est laissé, puis tu me relances encore. C'est quoi l'affaire, là? Y a un autre gars dans ta vie? Mais t'es bien macho! Je veux que tu me laisses tranquille, c'est tout! Par rapport à ça, oui, y a un petit nouveau dans ma vie. On va se marier, puis on va faire des petits. Alors arrête tes cadeaux, tes messages, tes téléphones. En bon québécois, on dit « Crisse-moi la paix ». Un jour, tu vas avoir besoin de moi, puis il va être trop tard. Oh, Vincenzo! Finalement, fait quoi cool, qu'il est drôle! Bonjour. Vous êtes Mado, je suppose. Oui. Pierre Gauthier. Oh, ça me fait plaisir. On vous a déjà signé votre bureau, je pense. Oui. On va se tutoyer. Si jamais je peux faire quelque chose pour te rendre service, n'hésite pas. Écoute, Nicole, je fais ma part, non? C'est pas la question. Il y a 17 ans, moi, à son âge, j'avais deux jobs. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Et avec ce que je paye comme pension alimentaire, il va prendre sa retraite à 30 ans. On recommencera pas ça, OK? Frère Gauthier, change de mie. En plein ça. Un café? Je dis pas non. Michel Vallière. C'est plaisir. Hey, caporal, tu vas me laisser tomber ça, tu vas m'appeler Pierre, hein? T'étais au narcotique, hein? C'est ça, oui. Toi, t'es le doyen de la place, hein? Ça, c'est une façon polie de te dire que t'es vieux. Hey, Tom! Rencontre donc Pierre Gauthier. Pierre, c'est Tom Celano, un enquêteur. Bonjour. Salut. Tom! Ça, c'est mon journal. Si tu veux le lire, achète-toi-en un.
Robert? Ouais. Pierre Gauthier. Hein? Salut. Salut. Robert, c'est le chiolé de la gang. Ouais, c'est ça. Puis Georges, lui, est parfait, pas de défaut, hein? Employé du mois depuis 20 ans. Ce gars-là, ça fait trois messages qui te laissent, que tu le rappelles pas. Je suis fatiguant. Michel? Oui? Oublie pas que tu dois être au palais de justice à 3 heures cet après-midi. Shit, mon rapport. Madou, un petit conseil, arrange-toi toujours pour l'avoir de ton bord. Salut! Salut. Dans 5 minutes, on commence. Quel genre de boss, Tanguy? Le genre prévisible. Comme le gars qui rentre dans son bureau, il dépose sa valise sur son pupitre, il enlève son veston, il va le mettre sur sa patère, il roule ses manches de chemise, il slaque sa cravate, puis là, ben, il vient se faire un café. C'est ça. Hey, rien de neuf? Ah, mes deux nouveaux gants ont commencé cette semaine, non? 2400 heures hommes l'an passé sur Scarfo. C'est bien des heures pour pas grand-chose. Bon, qu'est-ce qu'il y a à matin, là? Quand c'est pas le temps qu'on passe ces enquêtes, c'est le temps supplémentaire? Hey, je coupe dans les laboratoires, sur le parc automobile, puis dans le personnel pour en mettre plus sur la répression. Faudrait au moins qu'on arrête quelqu'un une fois de temps en temps. Hey, t'es-tu en train de me dire que tu trouves que nos hommes sont pas assez compétents, toi, là? C'est pas la question. Ton char saute, puis on est même pas capable de trouver quelqu'un qui a un motif raisonnable pour s'en prendre à toi. Non, Laurent, t'es directeur ici, toi. Il y a mille et une raisons qui justifieraient que des gars comme ça s'en prennent à du monde comme nous autres. On transfère l'enquête au gars de Montréal. Hey, comme si on n'était pas capable de s'occuper de nos affaires. Écoute, ces gars-là vont venir ici, ils vont fouiller pour savoir sur quoi on enquête. Non, 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 non. Hey, laisse-moi ça entre les mains, là. Hein? Tu vas te servir de ça comme excuse pour t'en prendre à Scarfo. On n'est même pas sûr que c'est lui qui a fait ça. Laisse-moi finir ce que j'ai commencé, OK? Aussitôt que je vais savoir qui c'est qui a fait ça, t'es le premier averti, je te le promets. T'as pas l'air pressé de le trouver. Je manque d'effectifs, mon vieux, c'est ça mon problème. Les gars passent la moitié de leur temps à remplir de la paperasse. Les rapports se promènent d'un service à l'autre, c'est rendu que les cuisiniers de la cafétéria sont au courant de ce qui se passe ici dedans. Ça te dérange pas, j'espère? Je te disais oui, ça changerait quoi? Une squad tactique m'a remis une copie du rapport de l'explosion chez Tanguy. D'un coup d'œil là-dessus, dis-moi ce que t'en penses. Qu'est-ce que tu veux savoir, là? Ben, qui c'est qui aurait pu faire ça? La mafia, les motards? La mafia. La mafia ne fait jamais exploser l'auto du directeur, l'escouade du crime organisé. Voyons. Puis les motards? Tanguy, il s'en fout éperdument des motards. Tu m'as toujours dit qu'une bombe, c'était comme une signature. Tu regardes comment ce qui a été monté, tu peux savoir qui c'est qui l'a fabriqué. Pourquoi qu'ils sont plus intelligents que d'autres? Il y en a qui laissent pas de signature. Je te suis pas, là. Tu peux fabriquer une bombe en te servant de la méthode d'un autre. Pour faire croire que c'est un autre. De toute façon, en quoi ça t'intéresse, toi, ce qui se passe avec Tanguy? Hein? J'ai été transféré au crime organisé. Je pense que je vais avoir besoin de toi. Ah ouais? Ouais. En ça, vas-tu tuer? Ben ouais. J'ai joué au tennis avec lui l'autre soir. Ouais, il m'a dit ça. Il paraît que t'as encore une shot. Ouais. Mmh. Il est en forme. Ouais, jette un coup d'œil là-dessus, là, juste pour avoir ton opinion. C'est quoi ça? Rien. Bien. Yeah. Une caméra. C'est bon? C'est fort. Hey, Gagnon. Long time no see. Le pic. Comment ça marche? Ça marche, ça marche. Hey, Guilla. Hey, Gagnon. Viens donc ici. J'ai du smack à faire passer. Y a-tu quelqu'un qui pourrait m'aider? Va voir un pinceau.
C'est le gros qui joue au pool en dedans. Je le connais pas. J'aime pas ça faire affaire avec ce monde que je connais pas. On t'a présenté. C'était un bon gars. M'en veux encore. Écoute, c'était pas un métier pour elle. Moi, je peux te le dire, là. Elle t'est rendue dangereuse. Autant pour elle que pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais voir Monsieur Scarfo. C'est de la part de qui? Pierre Gauthier, de Sûreté nationale. Quel sujet? Tu dois y parler. As-tu un mandat? Depuis quand ça prend un mandat pour parler à quelqu'un? Montre-moi ta badge. Attends une minute. Hey, Pops. Pierre Gauthier de la Sûreté nationale, il veut te parler. Minute, pour nous autres. Monsieur Scarfo, Pierre Gauthier, Sûreté nationale. Est-ce qu'il faut toujours passer par vos parentins pour vous parler? Non, c'est parce que je n'aime pas être dérangé par les témoins de Jéhovah. Pourquoi ça dérange votre conscience? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Gauthier, Pierre de mon prénom. OK. Pierre de votre prénom. Qu'est-ce qu'il y a? J'imagine que vous avez entendu parler de l'explosion qu'il y a eu chez mon boss. Non. Je suppose que vous connaissez même pas son nom? Non. Gilbert Tanguay, directeur... Il faut être imbécile. S'attaquer au directeur de l'escouade du crime organisé. C'est ce que je me disais. Monsieur Gauthier, j'ai rien à voir là-dedans. Puis vous me dérangez. Je suis venu vous avertir qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez nous avoir des pattes pas mal plus souvent que vous souhaitez. S'il y a quelque chose qui fait pas votre bonheur, appelez-moi. On devrait être capable de s'arranger. Ça fait 200 que vous me faites suivre partout. Trois fois par semaine, vous stationnez une auto devant ma maison. Si vous voulez me parler, arrangez-vous pour avoir un mandat. Ou bien, arrêtez-moi pour un excès de vitesse. Il y a quelque chose que vous comprenez mal, M. Scarfo. C'est pas mon genre de mettre un gant en dedans pour des tickets pas payés. Marco, fammi sapere tutto di sto sbirro qua, dove abita, se è sposato, se c'ha debiti. Tutto. Ma cosa succede? J'ai l'impression qu'on va le guardare souvent. Chi c'ho? Fermato. Je suis allé chez Scarfo. Puis? Petite visite de courtoisie. Comment il t'a reçu? Oh, disons que la maison m'a pas offert le champagne, tu sais. De quoi vous avez parlé? Des témoins de Jéhovah, des tickets de vitesse. Puis des imbéciles qui font sauter l'auto du directeur de l'escouade du crime organisé. Et qui t'a répondu?
qu'il fallait être un imbécile pour faire sauter l'auto du directeur de l'escouade du crime organisé. Ah bon? Mais moi, je suis pas d'accord avec lui. Je comprends pas. Si c'est la mafia, c'est vrai qu'ils sont imbéciles. Mais j'ai une petite théorie. Ah ouais? Ouais. Disons qu'on menace de te couper les fonds pour ton enquête parce que les choses traînent en longueur. La meilleure solution, c'est de t'organiser pour faire sauter ton auto. La direction s'énerve. Les fonds se débloquent. Tu reprends le contrôle. Puis y a pas un maudit chat qui va te couper l'herbe en dessous du pied. C'est dans ce sens-là que je suis pas d'accord avec Scarfo. Faut pas nécessairement être un imbécile pour faire sauter l'auto du directeur de l'escouade du crime organisé. C'est ça que je voulais dire quand je parlais du livre des règlements. C'est bien écrit, mais ça travaille bien mal. C'est ton show. Tu mènes ça à ta façon. Gauthier, devrait faire des films.